Vous êtes tous aux Zénith de Paris pour suivre cette grande soirée et nuit musicale de l'océan Indien. Alors cette soirée doit promotionner la musique Sega, ce style de musique, et aussi juste après le passage du groupe Cassia, un des plus grands groupes mauriciens qui a fait un passage inaperçu à Bercy lors de la grande soirée Nuit d'Outre-mer. Bien, alors cette nuit de l'océan Indien est une réussite, c'est ce que nous allons découvrir avec Elodie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous voici dans l'émission Clin d'œil pour la grande nuit de l'océan Indien, mais avec des groupes magnifiques. Bonsoir Mister Love, alors quelle émotion d'être au Zénith ce soir? Ben déjà que l'émotion est super grande quoi, et d'être accueilli avec toute la population mauricienne, réunionnaise et même de l'océan Indien, et être là à Paris, déjà que pour moi c'est la toute première fois que je vais en France et direct au Zénith, donc c'est pas un petit truc quoi, c'est quelque chose de grand et vraiment ça fait chaud au cœur. J'étais sur scène tout à l'heure, j'ai failli pleurer parce que quand même entendre 3000, 4000 personnes ou même plus qui fredonnaient justement mes chansons, et ça m'a fait énormément plaisir. Ça fait combien de temps que vous avez formé votre groupe ? En fait, moi j'ai un groupe systémaire à l'île Maurice depuis 13 ans de cela. Et là j'ai lancé un peu ma carrière solo depuis début 2012. Et à l'île Maurice, j'ai lancé mon album Soldat de l'amour, Mister Love, et qui est mon nom de scène. Voilà. Et en mai 2012, et ça cartonne, franchement je m'y attendais pas. Et ça marche super super bien. Et je dois dire merci à toutes les personnes qui m'encouragent et qui m'ont donné un coup de main derrière. Merci à vous, c'était super bien. De nos jours, j'ai écrit la terre qui pleure, la terre qui saigne, couler des laves jusqu'à l'océan, la terre qui bouge, la terre qui tremble, le séisme écarte les montagnes, la sécheresse qui frappe, les flammes qui brûlent, pollution, inondation un peu partout dans chaque pays, les changements des climats, c'est tous les jours comme si le monde devenait à l'envers, oh là là. Donc, respect de la nature, il faut que nous fassions attention. Si le paradis sur terre doit exister, c'est nous qui devons les construire. Vont trouver un système, je ne sais pas comment, mais pour le moment, pour moi, je prends plus plaisir de jouer en live comme ça. Comme là, je vais tout seul, mais j'essaie de
de composer ma musique parce que les techniciens ils ont inventé des machines. Je sens l'émotion de l'ambiance océan Indien. Parce que dans l'océan Indien, c'est le pays qui a beaucoup de métissage. Donc à partir de là, on sent la paix. Parce qu'il y a le respect envers toute nation. Et c'est ça notre message, quoi, d'essayer de faire comprendre à les gens que le mélange, c'est pas si mauvais que ça. Hein. On sent la bonne humeur et la joie de vivre parce que tant qu'on a la santé c'est le bonheur c'est la joie, l'amour qui est plus fort que tout. Voilà. Si le maître de l'univers nous a mis ici sur terre, ce n'est pas pour faire la guerre car nous sommes tous ces êtres chers. Chacun l'appelle autrement. Oh mon Dieu, Magua, Jala, Dja, Bouddha, Krishna. Mais il est unique à son égal. Fais ta prière à ta manière, avec ton cœur. Il te coûte par ton cœur. Si les 10 commandements qu'il nous a donnés, qu'on a multipliés par milliers, ce qui est sûr dans tout ça là, il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'amour. Voilà mon message. Mais en fait, il ne vous entend pas. Il ne vous entend pas du tout. Le zénith de Paris. Un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle quand je dis cap, vous mettez cap, 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 le 14 février 1978, tu vois, Kaf Malba c'est moi. Voilà, Kaf Malba c'est un métissage déjà, à savoir que Kaf c'est le l'Africain et le Malba c'est l'Indien qui vient des Indes, tu vois. Chez nous, à La Réunion, on appelle ça comme ça. Donc moi, je suis métissé, je m'appelle Kaf Malba. Sinon le groupe, et moi-même, j'ai commencé à chanter en 95. Ça a été mis sur la route, vraiment sur les ondes en 2001. Et puis je fais mon bonhomme de chemin, là ça fait plus de 10 ans que je suis là, voilà j'ai fait un travail quoi. Plus positif, tu vois, ça m'encourage. Donc du coup, quand tu es encouragé et que tu vois que tu as un public qui te soutient, le but c'est de faire en sorte qu'ils chantent des trucs positifs, tu vois, parce que ce qui sort de nos bouches, c'est justement les choses qui pourraient justement nous souiller un jour. Donc le truc c'est éviter ça et faire des trucs positifs pour que le peuple puisse chanter des trucs positifs.
Et j'essaie de rester simple, ouais, moi-même. Et ben, mes projets pour 2013, c'est montrer justement le public, le concept que j'amène avec l'album Subliminal. C'est une prise de conscience parce qu'on en a besoin. Tu vois, on a plein de musique qui fait justement bouger, qui nous fait vibrer, faire la fête. Mais je suis là pour faire équilibrer la balance et ramener des sons conscients de ce mouvement. Voilà. Vite fait, hein. Normalement c'est Love, Unity and Peace, tu vois. Mais après le message c'est que tout le monde en a besoin d'amour. On recherche tous les jours l'amour. Alors que pour de vrai, l'amour elle est en nous. Et il faudrait justement le trouver en nous et le réveiller. Voilà le message. Il est subliminal, il faudrait le chercher. Il est en nous, mon bon. Précialis, parce que c'est quoi, moi c'est même. Ridic. Merci Kev Malbar, bravo. Bonsoir et bravo Négro pour la vie. Alors quelle émotion en sortant de la scène du Zénith? Zénith c'est déjà une salle mythique et nous les Négro pour la vie de l'île Maurice on est là. J'espère qu'on a assuré les gars. Ouais, on a assuré et je crois que l'ambiance continue ici et ça c'est bien. On surfe sur une vague positive en ce moment et on respecte. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? 16 ans. 16 ans, ça va faire 17 ans l'an prochain. Et vous avez combien d'albums sur le marché? C'est notre 7e album qui vient de sortir, ça s'appelle New World People. Et déjà pour tous les amis de l'Europe et à travers le monde. Et il y a le mot Société qui passe sur Wagram Music. Et voilà, 16 ans. Et alors c'était donc c'est une réunion de plein d'artistes en fait. Bah, c'est une réunion d'artistes, c'est-à-dire que cette idée m'est venue parce qu'il y avait toujours des soirées communautaires, mais chacun un petit peu de son côté, rayonnais de leur côté, mauricien de leur côté, malgache de leur côté. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est un petit peu fédérer toute l'océan en réunissant tout le monde. Et aujourd'hui, avec le plateau que j'ai mis en place, je pense qu'on a fait quand même du bon boulot. C'est une très très belle soirée. C'est une très belle soirée. Hein. Je vous remercie énormément. Et vous avez fait plusieurs soirées comme ça en France ou comment ça se passe? J'ai commencé mon concept qui s'appelle I Love Mauritius en février 2012. Et la continuité, sur mon deuxième événement, je me retrouve directement au Zénith comme ça. C'est magnifique. C'est sûr. C'est un beau projet, je suis content que c'est pu tenir la route. Contre vents et marées, on a fait en sorte que ce projet tienne la route. C'était pas facile. C'est du boulot, c'est vraiment du énormément de boulot. Je me suis, vous savez, quand vous organisez des événements pour 500-600 personnes, vous pouvez le faire en même temps en travaillant à côté. Mais sur un Zénith, il faut vraiment être à 100% dans ce domaine-là tous les jours pour vraiment bien pouvoir mettre tout en place. Et quels sont vos projets 2013 si tout va bien et avec l'effervescence que j'ai eue aujourd'hui, je vous donne rendez-vous octobre 2013 pour le Zénith numéro 2. Avec plaisir. C'est avec plaisir que je vous recevrai, c'est sûr. Aujourd'hui, je remercie tout l'océan Indien d'avoir répondu présent, que ce soit en termes d'artistes ou même au niveau de toutes les personnes qui ont cru ce projet. Et surtout, remercier tout le public présent aujourd'hui parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui ce projet est une réussite. Et le public, il vibre à tous les tubes qui passent. Pour vous dire,
En étant sur scène, je n'avais pas réellement le ressenti du public. Ce que j'ai fait, c'est que je suis descendu sur scène pour y aller directement. Et quand j'ai entendu la foule crier, j'en ai eu des frissons. Voilà ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui pour moi, oui, j'en suis pleinement satisfait de ce concert. En tout cas, merci beaucoup, c'était beaucoup de bonheur aussi pour nous et pour tout le public. Merci beaucoup à vous d'être présent aujourd'hui. Nous, c'est les groupes qui nous appellent, qui nous sollicitent, vu qu'on a fait pas mal de scènes. Et surtout, vous avez notre site aussi internet, qui est le www.arsd93.com. Donc vous pouvez nous contacter là-dessus. Et donc ça fait longtemps que vous dansez avec les groupes ou vous faites plusieurs types de danse? Oui, alors nous on est spécialisés dans le Maloya et le Sega de l'île de la Réunion. On a fait plusieurs scènes, que ce soit avec l'Indigo, Malkidja, Kamnouz, la Maison de la Culture, le Forum Mondial de Rugby aussi, on a dansé. Et là ce soir au Zénith de Paris, c'est un grand truc quoi, quand même. Hein. Bon, il y en aura encore. Mais ce soir, franchement, c'est un grand truc. C'est vrai, je sais que vous avez beaucoup de projets pour l'avenir. Alors, vous pouvez un score pour la télévision? Nous, là, on va vu que nous, les groupes Les Bourbonnaises, on a gagné les Carnaval Awards. Donc, on sera au Carnaval de Paris le 10 février, en tête de cortège. Et c'est la Réunion qui sera en tête de cortège, vu qu'on a les Bourbonnaises ont gagné le Carnaval Awards. Merci. Et bon courage à vous. Merci à vous. Oui, c'est vrai, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Cet artiste dont vous connaissez tous, Monsieur Alain, 12 ans d'existence. Il a déjà 12 albums sur le marché, 4 DVD, un best-of. Sélectionné pour le meilleur choral en sud-africaine, il a été sélectionné meilleur musique. Bonsoir, l'émotion pour nous c'est très grand parce que sortir de l'île Maurice et venir au Zénith ici, c'est une grande émotion de voir l'océan Indien, la nuit de l'océan Indien, on a tout le peuple de l'océan Indien qui est là ce soir, grande foule, c'est une grande émotion. Après, j'ai des projets un peu partout en Europe, des albums, des tournées et peut-être des tubes que j'ai fait dans le passé que je vais refaire avec des grands DJ de France comme Soleko devant, Soleko derrière, tourner les tournées, se lamer là-haut, oh là là là. Des trucs comme ça que tous les gens connaissent bien. Et qu'est-ce que ça vous fait justement que le public fredonne vos chansons? Ça me fait énormément plaisir parce que c'est grâce au public qu'on est là ce soir. Et c'est grâce au public aussi qu'on va continuer notre route. Et Dieu aussi. Et la mélodie en casting à l'IA ce soir, elle a mélangé avec le plus magique.
franchement, le Zénith, ça nous a... Je suis très ému. Mais l'ambiance est là, je suis très content quand même. Ouais, de voir le peuple, l'océan Indien, qui écoute et qui adore ma musique. Et ce sont toutes vos compositions et improvisations en même temps? Il y a beaucoup d'improvisations parce qu'on est un groupe de live, comme tu as vu, on a beaucoup d'improvisations. On a même pas un programme qu'on a programmé, tout sort là, le musicien est suivi. Mais nous, notre souhait, c'est d'avoir quand même quelqu'un qui peut faire la musique Sega, ma musique, toutes les chansons que je chante, et c'est de faire connaître pour tout le monde dans le monde. J'adore tous mes fans, je vous adore parce que ça vient directement de mon cœur. En tant chanteur, en tant musicien et en tant humain, je vous adore. Merci encore pour ce que vous faites pour moi. Merci à vous. Mesdames, messieurs, alors Nico, vous êtes présentateur? Voilà, tout à fait. Animateur de radio avant tout, j'officie sur Espace FM, la grosse radio tropicale, où j'officie tous les samedis soirs, 18h-21h, pour une émission consacrée à l'océan Indien. Voilà. Alors qu'est-ce que ça vous a fait de présenter cette soirée au Zénith ce soir? Que du bon, vraiment que du bon, de voir la chaleur du public, tout ça. Nous sommes vraiment bien représentés, que ce soit toutes les communautés de l'océan Indien, La Réunion, l'île Maurice, les Seychelles, les Comores, Mayotte, enfin vraiment, on n'oublie personne. Et vous, Mélina? Oui, on a eu la chance de pouvoir ramener le soleil à Paris, l'île de La Réunion, l'île Maurice, vraiment, parce que là, on arrive dans une période où il fait vraiment très froid, donc on a essayé d'amener notre ambiance pays ici, en métropole. Alors on parlait tout à l'heure d'organisation, voici un des organisateurs, Clovis. Il a fait un gros travail ce soir, je l'applaudis. C'était super. Un beau travail, on l'applaudit bien fort. C'est vrai qu'il aime bien rester dans la discrétion. En tous les cas, on le salue parce que c'est quand même un joli travail qu'il a fait là. Alors justement, par rapport à ce travail d'organisation, c'était peut-être pas évident? C'est pas évident, donc il faut une équipe de choc, un bon producteur pour la soirée, des bons présentateurs et des superbes DJ pour un super show qu'on vient de vivre en direct live. Donc un DJ français, un DJ mauricien. On est là, hein, de la France, on va jusqu'à l'île Maurice, La Réunion, on prend l'avion. Et bah ouais, de toute manière c'est là, on est là pour faire le show, représenter notre pays, on est là ce soir. En tous les cas, merci beaucoup, merci donc à Clin d'œil TV, et puis on vous envoie plein de bisous, que vous soyez, en tous les cas on vous embrasse bien fort, merci. Merci à vous. Et très bientôt à La Réunion. On fait un clin d'œil nous aussi. Moi j'y arrive pas.